Salut, c'est David Goudreau, écrivain, travailleur social, porte-parole pour le mouvement Santé mentale Québec, et j'ai l'honneur d'interviewer, j'avais presque envie de dire interroger, mais ça sonne un peu trop enquêteur, d'interviewer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui nous accueille ici au Bistrot Le 5-4 pour nos rencontres autour de Déconfine tes pensées, Raymond Vigée. Et j'ai des questions fort pertinentes pour Raymond parce que, en tant qu'auteur, je m'intéresse beaucoup au Salon du livre et il paraît qu'il va y avoir un Salon du livre Hochelaga Maisonneuve de Quessé. Oui, exact. Nouvelle invention, ça a commencé l'année passée, juste avant la pandémie. On s'en allait, on avait booké 9 salons du livre à travers le Québec. On les faisait toutes. Nos valises étaient prêtes. On s'en allait, on commençait avec le Salon du livre de Trois-Rivières en mars l'an dernier. Où je devais être président d'honneur. Ah oui, président d'honneur. On bon, s'est je manqué savais de très pas. peu. Puis, c'est drôle, c'est parce que juste avant la pandémie, on a fait un spectacle littéraire ici avec Jean-Paul Daou. On s'était donné rendez-vous à Trois-Rivières, à Sept-Îles, tout le kit. Bon. Puis je m'étais endetté parce que j'y avais promis une coupe de verre de vin, puis finalement, je n'ai pas pu encore lui remettre. Donc, on partait pour Trois-Rivières. La pandémie arrive. Tous les salons du livre sont cancellés l'année dernière. On défait nos valises. On est déçus. Et là, ça fait un an de la pandémie. On fête ça. Et là, on a décidé de louer 2 kiosques virtuels au Salon du livre de Trois-Rivières. Mais là, c'est virtuel. Donc là, ça veut dire qu'on a demandé à nos auteurs, reste dans ton salon, puis là, il y a des gens qui vont correspondre avec toi, qui vont chatter. Puis là, les auteurs disent, ouais, mais tu sais, un salon du livre, je suis dans mon environnement quotidien, ça avait l'air fou. On dit, parfait, on va faire le Salon du livre Hochelaga Maisonneuve. Pendant le salon virtuel de Trois-Rivières, nos auteurs vont être ici pour répondre autant aux gens qui vont passer à Trois-Rivières que ceux de Hochelaga Maisonneuve. Donc, ça, on en fait un classique. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Maintenant, Hochelaga Maisonneuve fait partie de Wow! la grande traînée des salons du livre. Donc, encore plus, comment je dirais, de matière à mettre sur l'unicité du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Donc, il y aura le Salon du livre de Montréal aussi un moment donné, mais avant le Salon du livre de Montréal, le Salon du livre de Hochelaga-Maisonneuve. Je trouve ça intéressant le fait que tu fasses le lien avec le côté virtuel, que les auteurs seront ici filmés, qu'il y aura une virtualité, mais en même temps une présence physique. Et ça m'amène en fait à la question justement de la virtualité du Bistrot Le 5-4. Je pense qu'il s'inscrit dans une série de salles qui vont faire vivre l'art de façon numérique. Oui, exact. C'est que là, avec la pandémie, il fallait rebondir différemment. On était très fort dans le présentiel. Maintenant, on veut être hybride, finalement, autant fort présentiel que virtuel. La salle Bistrot Le 5-4 va être équipée au complet. Le matériel est commandé. Il va être installé dans les semaines qui viennent. 3 caméras au plafond, orientables avec un petit joystick. J'ai hâte de l'essayer. Zoom in, zoom out, caméra à l'épaule. Et on va avoir quelqu'un au moniteur, il va avoir les 4 écrans, il va choisir les angles qu'il veut pour pouvoir broadcaster directement, un beau terme français, broadcast, donc télédiffuser Ah ouais, très bon. directement sur le virtuel, mais en même temps enregistrer tout ça pour pouvoir faire du post-prod, faire du montage, faire des teasers, pour faire reconnaître les auteurs. Et Wow. ça, on va équiper la salle de Sherbrooke au Café Baobab, que tu connais, Ben qui oui, t'ont déjà absolument. Wow. invité. Donc, nos équipements qui vont être ici, on fait la même chose là-bas, ce qui fait qu'on va être en duplex avec nos écrans géants. Ce qui fait que tu pourras aller au Café Baobab pendant que j'aurai Jean-Paul Daou ici à Montréal, et via l'écran géant, vous allez être live En en direct, direct écouter le même ensemble. spectacle. Pas juste l'écouter, participer au spectacle. Oh, wow. Jean-Paul va te parler, toi tu vas pouvoir y répondre, t'sais. Génial, Donc, génial. c'est vraiment ça. Et on a une salle, il y a 12 salles comme ça numériques, des petites salles alternatives qui vont être installées numériques à travers le Québec et on va travailler ensemble pour avoir une programmation commune. Donc, cette idée de se réinventer qui était très dans l'air du temps dans la dernière année, vous l'avez saisie pour vrai à bras-le-corps, puis on réinvente un peu notre façon de présenter les spectacles, avoir cette version hybride pour rendre le tout plus vivant, plus accessible aussi d'une certaine façon. Plus vivant, plus accessible. Et si on regarde, pendant le Salon du livre Hochelaga Maisonneuve, on a Amélie Prévost, qui est championne mondiale de slam en France en 2016, va être ici samedi matin, dimanche matin. On va avoir des jeunes de France qui vont communiquer avec elle Wow. et avec Bilbo Sire, un Ben autre oui, même. rappeur de Gaspésie. Ces jeunes de Gaspésie vont être en atelier aussi avec Amélie Prévost. Wow. Donc, ça permet de rallier les régions à travers le Québec et des gens à travers le monde. En terminant, j'ai eu ouï dire que j'aurais un cadeau. Hein. Déjà, j'étais super heureux de revenir au Bistrot le 5-4, revenir te voir Raymond. S'il y a un cadeau en plus, c'est le bonheur.
Bien, c'est sûr que je ne pouvais pas te laisser partir les mains bredouilles comme ça. Là, on s'approche pour le Noël des campeurs. Donc, moi, ça fait 30 ans que j'ai publié là, mon premier livre. Je sortais d'une grosse dépression, j'étais en thérapie. Puis, je vais te conter l'anecdote de comment je l'ai écrit. C'est qu'au départ, en thérapie, j'écrivais des poèmes. Ça me faisait du bien, je m'exprimais tout ça. Puis là, les gens, ils regardaient le poème. « Hey, wow, c'est le fun, veux-tu me faire une photocopie de le kit? » Là, il y a un homme d'affaires qui était là, il disait, écoute, Raymond, ça commence à te coûter cher, la photocopie, on va le publier, ton livre. Le livre est rendu aujourd'hui à 5100 exemplaires. Ce qui est énorme pour de la poésie au Québec. Poésie spirituelle en plus, donc c'est encore plus dur. Donc, c'est intéressant, troisième édition, chacune des couvertures est différente. La troisième édition, c'est Xavier Laloux qui nous l'a fait, qui est un grapheur qu'on connaît depuis 25 ans au Café Graffiti, qui est tatoueur professionnel, un artiste peintre. Et c'est un livre qu'on voulait rassembler le numérique et le papier. Donc, on a pour chacun des poèmes un QR code qui nous amène directement à une version numérique du poème. Et là, les gens peuvent le lire, peuvent le commenter, et tous les commentaires sont lus et répondus. J'ai quand même une carrière de blogueur, donc répondre à 3 heures le matin à quelqu'un, aucun problème. Ça t'énerve pas? Je vais le tester, hein? je te teste. Et c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir rapprocher le lecteur qui va nous faire des commentaires, qui peut nous laisser sa poésie. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir y répondre, échanger ensemble. C'est comme si, même si on est dans le virtuel, même si c'est 3 heures le matin et qu'il y a 5000 km qui nous séparent, on va pouvoir communiquer. Donc, je t'offre cette première version parce que le lancement du livre se fait dans 10 jours. Donc, c'est une primeur. Primeur. Merci beaucoup, Raymond, vraiment. Je vais le lire avec grand intérêt. T'sais, je vais même en lire un extrait. On vient de faire quelques lectures pour déconfiner tes pensées. Donc, c'est la meilleure façon de rendre hommage à un poète, c'est de le lire. La stabilité. Tu te fixes un objectif dans ta vie. Tu veux atteindre la stabilité. As-tu bien défini ce que tu cherches? Connais-tu l'ampleur de ce mot? Est-ce que pour toi, la stabilité est synonyme d'immobilisme, d'un arrêt total de la vie, d'un arrêt total du travail? Prends la rivière qui coule devant toi. Sa stabilité ne l'empêche pas de voyager à travers les montagnes, de rafraîchir la terre et les animaux. Prends le soleil dans le ciel. Sa stabilité ne l'empêche pas de voyager d'est en ouest, de réchauffer la terre et les animaux. La stabilité est un équilibre dans l'action, un équilibre dans le travail et qui aboutit à un résultat positif. Excellent. Très intéressant. Je vais te lire, Raymond. Je recommande ce livre déjà à tout le monde et on va aller explorer sur le web la possibilité de discuter avec toi. Excellent, mon Dieu. Merci de ta visite et de ton implication. À bientôt. Bye bye. Merci.